Êtes-vous prête et prêt à faire une petite marche vers un party super le fun? Comme je dis toujours, c'est pas un vrai party avant que la police arrive! Donc on peut s'assurer que ça va être un bon party parce qu'ils sont déjà là! Alright ladies, let's go! Aujourd'hui sera le principe de non-violence. Nous sommes un mouvement absolument non-violent. We are a non-violent movement. Quatre demandes d'Extinction Rebellion sont dire la vérité, devenir carbone zéro en 2025, arrêter la destruction de la biodiversité, faire une assemblée citoyenne et de faire une transition juste. Pour ma soeur de 10 ans, et puis pour le futur de mes potentiels enfants, et des millions de personnes qui sont à risque et qui vont peut-être mourir, très sûrement mourir, si on ne règle pas ce problème-là maintenant. Doucement, on fait ça pour vos enfants, police. La police va demander de changer. L'inaction criminelle de nos gouvernements. Rebellez-vous et bonne fête! Et je vois être un rebelle qui va être prêt à risquer de se faire arrêter parce que ce qu'on vit dans le moment, c'est pas ordinaire. C'est vraiment pas ordinaire. La police nous dit que si on reste de ce côté de la rue, on est en entrave à leur travail, ce qui veut dire que vous pouvez faire face à des charges d'arrestation. Donc, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas vous faire arrêter, n'êtes pas sur ce côté de la rue. Mais si vous voulez continuer la fête comme bon nous semble parce que c'est une urgence climatique et qu'il faut envoyer un message à nos gouvernements que leur inaction est inacceptable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut que vous sachiez que vous risquez l'arrestation potentielle. Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion! Nous sommes la rébellion ne fait que commencer. Wouhou! Extinction!